I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve. Il est 7h15 et je viens de monter une vidéo de A à Z, donc je suis trop contente, j'ai été grave productive. Je sens que mes yeux sont en mode ils veulent dormir quoi, mais sinon ça va. J'ai pas encore mangé, par contre je bois un max d'eau et là ce que je vais faire, je vois que le jour commence à se lever, donc je vais aller mettre mes baskets, je vais aller faire mes pas et ensuite je prendrai mon petit déj, donc c'est parti. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Bon, je vous retrouve pour le lunch. Je me suis fait des quesadillas. En ce moment, je me fais tout le temps ça. Voilà, j'en ai deux. Je voulais parler, ouais, bah du coup, du fait de se lever très tôt, vu que c'est le sujet de la vidéo. Un truc très important qu'il faudra que je fasse attention, c'est mon sommeil. Parce que c'est bien beau de se lever super tôt, d'être super productif le matin, mais si on sacrifie son sommeil pour ça, c'est pas très sain. Le sommeil, c'est extrêmement important pour être en bonne santé. Si vous ne dormez pas assez, vous avez plus de chances de développer des problèmes de santé. Et sinon, sur l'aspect objectif physique, etc., ça aura un impact également. Ça va avoir un impact sur les performances à la salle. Ça a un impact sur l'alimentation également. Le fait de manquer de sommeil, ça augmente l'appétit. Donc par exemple, dans un objectif de perte de poids, bah, le sommeil est très important à prendre en compte. Mais également dans un objectif de prise de muscle, pour pouvoir être au top de la forme pendant les séances. Parce que si on manque de sommeil et qu'on n'est pas en forme, bah, on fera pas des super séances. Et puis bah, la progression, la prise de muscle sera assez limitée. Donc il faut que je fasse attention à ça cette semaine. De toute façon, je vais peut-être le ressentir durant mes entraînements, je vous dirai ça de toute façon. Là cette nuit j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi genre 4h30 parce que je me suis couchée vers 23h et j'ai mis énormément de temps à m'endormir, j'ai dû m'endormir vers minuit et je me suis réveillée à 4h30, je me suis levée à 5h parce que mon réveil était à 5h mais sinon entre 4h30 et 5h je dormais pas quoi. Donc voilà, j'ai très peu dormi, je le sens. Enfin voilà, je pense qu'on la connaît tous, hein, cette sensation quand on a très très peu dormi, ou genre en lendemain de soirée, ou je sais pas quoi, quand les yeux sont lourds. Cette sensation, je l'ai actuellement. Ça n'a pas vraiment d'impact sur ma productivité. Ce matin, j'ai trop bien travaillé. J'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire sur une journée, ce matin. Donc c'est assez rentable. Cet après-midi, je vais encore pouvoir pas mal travailler. Pour revenir sur le sommeil, bah forcément, il va falloir que je me couche plus tôt. Je vais forcément dormir moins que d'habitude. D'habitude, je dors 8 heures. Je me couche vers même plus que ça. Je dors 8-9 heures d'habitude parce que je me couche à 23 heures et quand je mets pas de réveil, je me lève à 8 heures. Et pourtant, le réveil en vrai, il est difficile. Hein. Je traîne au lit, j'arrive pas à sortir du lit ce matin, j'ai eu aucun problème à me lever. Je pensais que ça aurait été une torture ce matin, mais pas du tout. Bon, après, j'étais déjà réveillée une demi-heure avant, donc ça aide. Mais voilà, j'ai eu beaucoup plus de facilité à me lever ce matin que d'habitude quand je mets pas de réveil. Donc on verra si ça fait la même chose demain. Faudra en tout cas que je me couche plus tôt, mais je pense que ce soir, je vais sentir. Hein. Je pense que je vais être fatiguée vachement tôt ce soir et du coup je vais m'endormir plus tôt. Enfin j'espère en tout cas. Bon là il est 15h20 et je commence vraiment à avoir envie de dormir. Donc je vais faire une petite sieste, 20-30 minutes. Ce que je vais faire là c'est que je me pose dans mon canapé. Je vais mettre mon casque, je vais écouter un peu d'ASMR et puis je retourne au boulot dans 20-30 minutes. Ça va me faire du bien là, parce que j'ai trop envie de dormir. Le manque de sommeil commence à se faire sentir. Bon, il est 18h15, changement de tenue, journée de travail terminée. J'ai été extrêmement productive aujourd'hui, en même temps de 5h jusqu'à 18h. J'ai eu le temps de faire plein de trucs, j'ai eu le temps de monter 2 vidéos de A à Z, genre monter 2 vidéos en une journée. C'est très rare que ça arrive, et en plus de ça, j'ai planifié des posts, j'ai fait un reel pour Instagram, j'ai écrit une vidéo également que je tournerai demain. Non, en vrai j'ai fait énormément de trucs. J'ai eu le temps d'aller faire mes courses également ce matin.
Cet après-midi, j'ai fait une pause d'une heure, non, un peu moins que ça, genre 45 minutes, où j'ai dormi pendant 20 minutes, et puis ensuite, j'ai traîné sur mon téléphone, quoi. Mais la sieste était impérative, j'ai eu un gros coup de barre sur le coup de 14-15 heures. C'est normal lorsqu'on dort très peu la nuit, comme c'était mon cas cette nuit, ce soir. Bah là, je vais faire ma séance de sport, ensuite je vais manger, me divertir un petit peu, et je vais aller au lit à 21h, je pense. Comme ça, j'aurai le temps nécessaire pour faire une bonne nuit de sommeil et me réveiller à 5h. Demain. Close your eyes. Bon, deuxième jour de cette petite aventure. Bon, là, c'est un petit peu plus dur qu'hier. Mais bon, je suis là, je suis levée. J'ai trop envie d'aller me recoucher. Mais bon, je vais travailler, j'ai du travail, donc... Donc voilà, c'est parti. Après, je ne regretterai pas, je pense, de mettre le métro. Bon, il doit être 7h30, je fais ma petite marche du matin. Je commence à avoir très faim, donc j'ai hâte de rentrer, de manger, de me remettre au boulot. Ce matin, en vrai, c'était dur. J'ai eu un peu de mal à me mettre au travail, j'avais juste envie de retourner me coucher. Mais je pense, après, c'est une question d'habitude. Forcément, ça fait que 2 jours que je fais ça, bah, mon corps n'est pas du tout habitué. Mais je pense, honnêtement, que je suis plus du matin. Parce que dans tous les cas... J'arrive mieux à bosser le matin là que le soir. Et donc du coup hier soir j'ai fait ma séance haut du corps. J'ai pas eu de baisse de performance ou quoi. Pas du tout. Après voilà, forcément ça faisait que une matinée où je me levais super tôt. Donc je pense que l'impact, s'il y en a un impact négatif en tout cas, si je viens à manquer de sommeil en dormant un peu moins du coup à cause de ce défi, bah... L'impact, je pense qu'il va pas se voir tout de suite, mais dans plus longtemps, je sais pas si faire ça pendant 5 jours, ça va suffire pour voir un réel impact sur la fatigue. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas que je serai morte à la fin de la semaine. Il faudrait que je fasse ça sur plus longtemps pour vraiment essayer de voir un impact. Mais bon, la vidéo, elle sera que sur 5 jours. De toute façon, je vous dirai à la fin de la semaine si je continue le défi ou pas. Ça va dépendre aussi de la charge de travail que j'ai. Ah là, ça sent les frites. Ah, j'ai trop faim. Bon, il est midi, finalement, j'ai été très productive ce matin, surtout après ma marche. Toute la matinée, j'ai travaillé sur une future mise à jour qui arrive très bientôt, dès le mois d'avril, pour mon programme Grow and Get Fit. Bon, allez, je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc, c'est une mise à jour qui sera bien sûr gratuite pour toutes celles qui ont déjà le programme. Pour l'instant, le programme est sous forme de 4 e-books. Dans la partie programme de musculation, vous avez toutes les séances avec chaque exercice et chaque exercice est illustré avec des photos pour bien voir le mouvement. Et il y a également des pages d'explication spécifiques sur certains exercices. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin et de vous donner encore plus de ressources pour bien faire le programme et apprendre à bien faire les exercices. Donc je suis en train de créer une plateforme où vous retrouverez toute une base de données de vidéos avec des explications précises de comment réaliser les exercices, quelles erreurs il ne faut pas faire. Voilà, donc ça complétera encore plus le programme, donc ce sera une énorme mise à jour parce que je vais faire ça vraiment pour chaque exercice de chaque séance. En tout cas, j'ai trop hâte de sortir cette mise à jour, ça va donner encore plus de valeur au programme et là le programme il sera vraiment complet quoi. Donc là je commence à avoir un gros coup de barre, j'ai très envie de dormir mais j'ai faim donc je vais me faire à manger. Et juste après ça, je vais me poser dans le canapé et je vais faire une petite sieste. Je suis au bout de ma vie. Je parle pas trop fort parce qu'il y a Gwen qui dort à côté. J'ai rêvé que j'étais fatiguée et que je voulais dormir et que j'allais dormir. Et à ce moment-là, je me suis réveillée. Oh, c'est horrible. On continue le défi et au boulot. Comme d'habitude, je me mets à travailler sur mon PC dès le réveil. De 5h à 7h, en fait, je fais des sessions de deep work sans m'en rendre compte. Cela consiste à se focaliser sur une tâche sans aucune distraction.
Ça permet d'être ultra efficace et de réaliser plus vite un travail qu'on a tendance à finir en beaucoup plus de temps. L'avantage est que ça me permet de me libérer d'un poids pour le reste de la journée et d'être plus sereine et plus tranquille. Jour 4, réveil un peu moins dur, parce que j'étais déjà réveillée vers 4h30. Mais je continuerai bien de dormir en vrai. Les réveils sont à la fois faciles, car je sais sur quoi travailler dès le réveil et du coup j'ai hâte, mais à la fois difficiles car je n'ai pas l'habitude de me lever si tôt. En tout cas, j'avance très rapidement sur la mise à jour du programme Grow and Get Fit, du coup ça ne me stresse pas car je suis sûre et certaine qu'elle sera prête à temps. Ah oui, et tous les après-midi, vu que j'ai un petit coup de barre, je m'accorde une micro-sieste de 20 minutes, pas plus sinon je serai encore plus fatiguée. Je continue de faire mes 10 000 pas et de m'entraîner, et surtout, je prends le temps. Vraiment, j'ai plus de temps pour moi, tout en arrivant à travailler plus, c'est merveilleux. Dernier jour du challenge, aujourd'hui réveil très simple. Le manque de sommeil, ça augmente l'appétit. Personnellement, pour l'instant, mon appétit est normal. Bon, après, je me couche à 21h30, donc normalement, je ne manque pas trop de sommeil. Ma productivité est vraiment au max tout au long de la journée. Toutes mes vidéos de mars sont déjà prêtes, ainsi que presque tous mes posts Instagram de mars. Sans parler de la mise à jour du programme Grow and Get Fit, qui est très très bien entamée. Bon, bah voilà, défi terminé et relevé haut la main. Oui, du coup, je le fais que 5 jours parce que ce week-end, je serai pas chez moi. Donc, je pourrai pas gérer le défi comme je veux. Donc, on va faire un petit bilan de cette semaine. Qu'est-ce que j'en tire comme bénéfice ou comme inconvénient? Le premier bénéfice que j'ai eu à me lever à 5 heures, c'est une hausse énorme de ma productivité. En fait, je suis extrêmement focus le matin, même si le réveil pique un peu, mais pas tant que ça finalement. J'arrive à me mettre au travail très rapidement et à être direct concentrée. Donc j'ai plusieurs explications à ça. Déjà, je pense que je suis quelqu'un du matin parce que il y a des gens du matin, il y a des gens du soir, il y a des gens qui arrivent à mieux se concentrer le matin, il y a des gens qui arrivent à mieux se concentrer le soir. Moi, clairement, le soir, je n'arrive pas à me concentrer. Et cette semaine m'a prouvé que j'étais quelqu'un du matin. Je suis très concentrée également parce que à cette heure-là, c'est calme, faut pas faire de bruit, ce qui fait que je peux me mettre facilement dans ma bulle et j'ai moins de distractions. Je n'ai pas de notifications sur mon téléphone et ça en journée, ça a tendance à me déconcentrer et j'éteins pas forcément le vibreur ou quoi parce que sinon je loupe des appels. Je le fais très souvent, couper, enfin mettre mon téléphone en silencieux, mais je loupe énormément d'appels donc j'évite de le faire. Et moi personnellement, les notifications, même quand il n'y a pas le son, mais que c'est dans qu'il y a mon téléphone dans le champ de vision et que je vois un truc qui bouge sur le côté, ça me déconcentre beaucoup. Parce qu'après, je fais quoi? Je vais regarder la notification. Et puis après, je vais me perdre sur mon téléphone, je vais aller sur Insta, je vais aller regarder mon fil d'actualité, je vais regarder les stories des gens, etc. Et je peux perdre 30 minutes comme ça sans m'en rendre compte. Mais à 5h, en général, la plupart des gens dorment, donc il n'y a pas de notification. Également, ça me permet de finir mes journées plus tôt, parce qu'en général après 17h j'ai énormément de mal à me mettre au travail. J'ai beaucoup de distractions, puis il y a Gwen qui rend du travail, etc. Donc on parle, et donc c'est compliqué de se concentrer. Autre chose, je pensais que ça serait très dur à faire comme challenge, notamment le réveil, mais en fait j'ai pas eu de grandes difficultés à me lever, et même les matins où ça piquait un petit peu, je me levais direct en fait et j'éteignais mon réveil tout simplement parce qu'il y a Gwen qui dort à côté de moi et lui se lève un peu plus tard et donc pour éviter de trop le réveiller, faut que je me lève vite. Donc le réveil est facile et rapide parce que j'ai pas le choix de me lever finalement. Du coup en me levant à 5h forcément je réduis un petit peu mon temps de sommeil par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire avant. J'allais me coucher vers 23h et je mettais pas de réveil en fait vu que j'ai pas de patron et que je gère mon temps comme je veux. Je me suis dit je vais pas mettre de réveil et je vais laisser mon corps faire naturellement. Mais en fait, je pense que pour moi, c'est pas du tout la meilleure méthode parce que du coup, ça fait que je me lève vers 8h et c'est difficile, hein. C'est-à-dire que j'ai du mal à sortir du lit. Je trouve que c'est plus difficile que de mettre le réveil à 5h. Et après, je mets beaucoup plus de temps, pareil, à émerger, le temps que je m'habille, que je prenne mon petit-déj, tout ça, tout ça. Du coup, je me mets au travail une heure après et
Bah, il est déjà 9h, quoi, comme je me mets au travail. Et vu que j'ai du mal à être concentrée le soir, forcément, ça me fait une journée de travail assez réduite, avec beaucoup de choses à faire. Et vu que j'ai beaucoup de choses à faire, ça me stresse, j'ai l'impression que je me dis que j'aurai jamais le temps de tout faire, je me dis que j'y arriverai jamais, et ça me décourage, et puis ça a un impact effectivement sur ma productivité. Et j'ai tendance à procrastiner dans ces cas-là. Quand je me lève à 5h, déjà je mange pas direct, je préfère attendre pour manger, pour pas me faire 10 000 repas dans la journée, parce que si je mange à 5h, à 9h, je pense que j'ai faim. Et du coup en fait je me lève, et pour pas faire de bruit, je vais pas me laver, je reste en pyjama, je reste telle que je suis. Et j'attends 7h30 pour manger et me préparer. Ce qui fait qu'en fait, je me mets au boulot vraiment au saut du lit. Et donc je disais, vu que je réduis un petit peu mon temps de sommeil, donc je suis passée de 8-9 heures de sommeil à 7 heures du coup, je pensais que je serais ultra fatiguée parce que moi, je pensais en tout cas que j'avais besoin plus d'heures de sommeil que 7 heures. Mais a priori, non. Enfin, en tout cas, j'ai pas ressenti d'extrême fatigue cette semaine. J'ai pas eu de baisse de performance à la salle. J'ai pas eu plus faim, parce que oui, le manque de sommeil, ça joue sur l'appétit également. Après, sur 5 jours, effectivement, j'ai peut-être pas assez de recul aussi. Donc, faudrait que je fasse ça plus longtemps pour vraiment savoir si c'est une routine qui me va. Vu que je dors moins et que je me levais beaucoup plus tôt, j'avais tendance à avoir des petits coups de barre dans la journée, mais c'est les mêmes coups de barre que je pouvais avoir quand j'allais au lycée ou quand j'étais salariée et que du coup je me levais avant 7h, vers 6h40 je crois je me levais. C'est des coups de barre assez similaires, coups de barre vers 14h, envie de faire une sieste, etc. Là l'avantage c'est que je peux m'écouter et faire ma sieste vu que je suis chez moi, donc je me faisais quasiment tous les jours sauf aujourd'hui. Une petite sieste de 20 minutes. Donc voilà, beaucoup de points positifs pour ce challenge. Je suis très contente de l'avoir fait. J'ai failli pas le faire. En plus, je l'avais planifié depuis longtemps de faire ce challenge-là. Quand j'ai vu qu'il fallait que je tourne ça cette semaine, j'ai dit non, mais faut que je trouve une autre idée de vidéo. Parce que ça m'embête vraiment de me lever très tôt. Et finalement, heureusement que je l'ai fait parce que ça me rend service. Mais bien sûr, il y a quelques inconvénients. Gros inconvénients, c'est que faut se coucher plus tôt parce que... Si je me couche comme d'hab à 23h, du coup ça me fait que 6h de sommeil, et là clairement c'est pas suffisant. L'idéal c'est d'avoir minimum 7h de sommeil, donc pour avoir 7h de sommeil, je vais me coucher vers 21h30, comme ça le temps de m'endormir, je suis sûre d'avoir 7h de sommeil. Pour moi c'est un inconvénient de se coucher aussi tôt, parce que je vis pas seule, je vis avec Gwen qui lui est plutôt du soir, et puis le soir on aime bien regarder une série ensemble, tous les deux par exemple. Donc en fait on est obligé de tout décaler, on est obligé de manger beaucoup plus tôt et de se mettre devant la télé beaucoup plus tôt, sauf que lui il rentre du travail assez tard, donc c'est pas quelque chose qui va le convenir je pense. Et même du coup l'inconvénient c'est que du coup le rythme il va forcément être cassé le week-end. En général le week-end on voit des amis etc, on fait plus de choses, on n'est pas forcément chez nous et on se couche pas. Enfin moi je me couche pas à 21h30 le week-end par exemple. Ce week-end on n'est pas chez nous, on a un anniversaire donc on va faire la fête jusqu'à tard et ça c'est vraiment super mauvais parce que ça casse complètement le rythme et à long terme se coucher super tôt et se lever super tôt en semaine et le week-end avoir un rythme complètement différent et c'est super mauvais et on risque effectivement d'être crevé à force de faire ça. Donc voilà, c'est pas super compatible avec une vie sociale. Mais en tout cas moi j'ai un peu peur de ce week-end d'être complètement fatiguée à 22h, 23h et de vouloir aller me coucher quoi, ça m'embêterait franchement. Et autre inconvénient, vu que j'ai fait sur 5 jours, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Du coup, bilan, il y a quand même plus de positifs que de négatifs, donc je vais continuer à me lever tôt. Une des raisons pour laquelle j'avais démissionné et que je comptais me mettre à mon compte, c'est que j'en avais marre de me lever tôt le matin. Franchement, je vivais très mal de me lever avec un réveil vers 7h. Je me levais à 7h en plus, non 7h15, donc c'était pas si tôt que ça, mais franchement, je le vivais mal. Et je me disais vivement que je sois à mon compte pour me lever quand je veux. Mais en fait, je pense que si j'avais du mal à me lever, c'est aussi parce que ça m'embêtait d'aller travailler quoi. Alors que là, vu que je travaille pour moi, je me lève, je suis concentrée direct et j'adore ce que je fais, donc je pense que c'est complètement différent. Donc je vais continuer à me lever tôt, peut-être pas 5h, parce que comme je vous l'ai dit, c'est compliqué d'avoir une vie sociale et ça me fait me coucher trop tôt. Donc la semaine prochaine, je vais continuer de me lever tôt, mais je vais tester 6h. Je vais voir si en me levant à 6h, je suis aussi productive. Si je suis moins productive en me levant à 6h et que j'arrive pas à atteindre mes objectifs de travail, eh bien je me releverai à 5h la semaine d'après. Et surtout en ce moment, vu que je prépare un gros projet, la mise à jour de mon programme, mais également beaucoup de travail pour YouTube, parce que mois d'avril, je sais pas si je l'ai dit encore sur la vidéo,
je vais faire une vidéo par jour au mois d'avril aussi. Vu que j'essaie d'anticiper ça, bah forcément j'ai beaucoup de travail, ça plus la mise à jour du programme. Donc ça m'arrange quand même de rallonger un petit peu mes journées et de me lever plus tôt. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous à quelle heure vous vous levez et si vous êtes plutôt du matin ou du soir. Donc du coup n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.